tout le monde! Fait que là, je suis présentement à Cape Cod avec ma famille. Depuis hier soir, on est arrivé à Cape Cod, puis on s'est probablement acheté la chose la plus nice, inutile ever. C'est un frisbee qui fait de la musique. Genre, tu le connais qu'à Bluetooth, fait que, en tout cas. Fait qu'on passe la prochaine semaine ici, fait que ça va être vraiment fun, il fait full beau. On est à la plage. Genre, wow! C'est trop beau. Hello! Je suis en top de maillot, by the way. No worries. Fait que là, c'est ça, comme j'avais dit, on est à Cape Cod, puis en fait, je voulais vous montrer ce à quoi la chambre ressemble. J'ai l'air tout nu, ça me fait très rire. Fait que je vais vous montrer ça. Dans le fond, quand on rentre ici, on a une petite cuisinette, puis on est allé se faire genre une épicerie au Whole Foods. Là, on s'est acheté vraiment comme différentes choses, surtout pour faire les déjeuners puis les dîners, là, parce qu'on risque de genre déjeuner, dîner ici. Mais pour les soupers, on risque de sortir. Sinon, ici, on a genre une petite table à manger, on a les deux lits. On a un beau petit miroir. En passant, mon top et mon bas vient de chez Vita Apparel. Sinon, ici, on a une petite salle de bain. Voilà, voilà, voilà. La douche puis la toilette. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Fait que sérieusement, moi, je trouve qu'on va être très bien pour la prochaine semaine. Puis sinon, je me suis apporté comme quelques trucs pour genre me divertir. Fait que j'ai un livre que je pense que je vais apporter. Sinon, ben j'ai mon téléphone. Puis on s'est apporté genre des jeux de société et tout. Puis dans le fond, après demain, il y a des amis de mes parents qui vont venir nous rejoindre. Fait que ça va être vraiment le fun. Puis eux autres sont vraiment habitués à la place parce qu'ils viennent assez régulièrement. Fait que voilà! Update! Donc là, il est 3h05. Puis ça paraît peut-être pas, là, parce que je suis vraiment pâle, mais j'ai bronzé. Comme, oh mon dieu, ça paraît vraiment pas. Je suis en train de comme me faire réchauffer sur le bord de la plage, mais je commençais vraiment à m'endormir. Fait que là, j'étais comme, je veux pas m'endormir au soleil, parce que je sais que je vais réveiller brûlée. Fait que c'est vraiment pas une bonne idée. Fait que je pense que je vais, genre, rester ici, chiller un peu. Je sais pas si je vais m'endormir, là, mais en tout cas, mais tu sais, ce genre de journée où tu fais rien, là, pis ça fait juste comme tellement du bien. Fait que là, on va goûter à des mochis qu'on a acheté hier. C'est Bobby's Mochi. C'est la vanille. Moi, j'avais déjà goûté à ça pis j'avais pas aimé ça. Fait que là, je donne un deuxième essai pour voir comment je vais trouver ça. Bon. C'est correct. Non, ok. Moi, oh, c'est la pâte de riz que j'aime pas. C'est la texture, genre. Live, on est au Barnes and Nobles, puis c'est la première fois que je vois des pop, mais de Gossip Girl. Là, il y a Nate, puis ici, il y a Dan. Oh, c'est cool! Il y a des sections d'Harry Potter, genre, intense. Genre de là, genre ça, ça, ça. C'est toutes des trucs de Harry Potter. Un scroll. Oh, oh! Ah, ça, je l'ai acheté à Universal l'été passé. Shout out au voyage à LA. Le clou, on l'a aussi chez nous. Oh my god. C'est quand même vraiment nice. Je sais pas il est quelle heure là. On est le 16 juillet. Là il est 11h35. Puis ma mère puis moi on est en train de prendre une petite marche sur le bord de la plage. Puis ma mère est là. Puis elle est en train de prendre des photos pour ses amis. Puis aujourd'hui honnêtement je pense pas qu'on va faire grand chose. Comme hier dans le fond. On va juste chiller puis profiter du soleil. Puis miracle, tout le monde j'ai bronzé. C'est un miracle pour moi. Fait que c'est ça. Puis il fait tellement beau. Il y a un cône orange. Quoi?
monde, update. Fait que là, il est rendu quelle heure? Il est rendu 3h moins quart. Puis là, dans le fond, comme je vous ai montré, on a dîné, puis tout ça. Puis là, en fait, moi, je suis un peu rentrée dedans. Parce que ça paraît peut-être dans ma face, mais je suis vraiment fatiguée. Genre, le soleil est vraiment fort. C'est assez intense. Fait que là, dans le fond, Vince puis moi, on attend que nos selles chargent un peu, puis on va aller jouer à Pokémon Go. Parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, il y a beaucoup de mes amis qui ont recommencé à jouer à Pokémon Go cette année. Genre, c'est vraiment random. Mais bon. First, I'm gonna go to the tour. Wow! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 17 juillet, puis là, il est 11h10. Puis dans le fond, encore une fois, ce matin, on a vraiment pris le matin slow et hyper relax. Puis là, si ma face a l'air bizarre, c'est parce que je viens de mettre de la crème, puis comme c'est vraiment comme hyper hydratant, vu que je suis au soleil, je me mets de la crème beaucoup plus hydratante que d'habitude. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, je sais pas trop c'est quoi les plans de la journée, parce que c'est la première journée depuis qu'on est arrivé qui fait un petit peu moins beau. Fait que là, en fait, c'est on a une chose qu'on a planifié, en fait, c'est que, en fait, Vincent puis moi, depuis qu'on sait qu'on va aux États-Unis, il y a au moins une journée qu'on veut essayer du Chipotle, du Chick-fil-A, puis c'est quoi l'autre? Taco Bell. Fait que c'est ça, parce que Vincent, en fait, il a jamais essayé un des trois. Franchement, si vous le savez pas, Vincent, c'est mon frère. Là. Moi, qu'on risque de genre aller chercher un peu de tout pour notre dîner. Fait que ça va être un méchant gros dîner. Puis sinon, on n'a rien vraiment de particulier de prévu. On va peut-être aller se promener comme downtown, dans les petits commerces, puis tout ça. C'est vraiment pas très, très clair. Mais bon, ça va être à suivre. Puis là, ben, dans le fond, aujourd'hui, mon outfit de la journée, dans le fond, c'est vraiment très casual. J'ai mis un petit chandail rose qu'on voit pas vraiment ce qui est écrit, mais je l'avais acheté à New York, puis c'est écrit genre « Sassy since birth ». Je trouve ça quand même drôle. Puis des petits shorts en jeans de même de chez H&M. Fait que c'est ça, fait que là je viens de me nettoyer le visage. Honnêtement, je pense pas que je vais me maquiller à part peut-être me mettre du mascara, mais même à ça, quand je suis en vacances, pour vrai, j'aime mieux laisser ma peau à l'air libre. Update! Donc là, il est midi et 5. Mon dieu, ma face a de l'air vraiment huileuse, mais c'est encore ma crème, parce que la crème en fait que j'ai utilisée ce matin, c'est une crème que j'avais en échantillon. Puis c'est celle-là, c'est la crème Believe crème riche pour le visage. Puis moi habituellement je me mets jamais de la crème aussi intense que ça. Puis en plus de ça, j'ai mélangé ça avec la crème solaire. Fait que c'est pour ça que ma face a l'air aussi huileuse que ça. Mais là dans le fond, en ce moment c'est assez relax, parce qu'en fait là ma mère est sur le bord de l'eau en train de lire un livre, puis mon père puis mon frère sont en train de jouer genre au shuffleboard. Puis là en fait je voulais vous montrer, parce que moi en fait je suis retournée à la chambre, je fais juste comme me relaxer sur le lit, puis j'écoute How to Get Away with Murder, parce qu'on l'a pas la dernière saison au Netflix Canada. Puis en fait je voulais vous montrer un achat que je me suis fait l'autre jour, parce que on est... Attendez, je vais le trouver. Fait qu'en fait, je me suis acheté un highlight de chez e.l.f. C'est le Coffee and Cream Highlight Duo. Puis en fait, premièrement, j'ai été juste 100% vendue au packaging. Genre, je le trouve tellement beau. Puis en fait, à l'intérieur, il y a deux teintes que je trouvais comme magnifique. Une qui est vraiment un peu plus comme blanche, puis l'autre qui est un peu plus comme bronze. Fait que ouais, j'ai été vraiment vendue à ça, puis je trouve juste que c'est vraiment magnifique. Puis en plus, e.l.f. c'est une compagnie qui ne teste pas sur les animaux, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Vince, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Manger. Quoi? On va manger Chipotle. Yeah! Taco. Yeah! Chick-fil-A. Yo, ça va être bon. On est au Chick-fil-A! Ben ça, c'est qu'est-ce que tu vas prendre? Un bon sandwich au poulet. Ah. Avec des patates? Ouais. Parce qu'il faut qu'on goûte aux patates. Yeah. Ça va être bon. Chacun commence la file est full longue. Genre, il y a tellement d'auto qui attend. Tu t'es trompé de rangée. Ah non, tu me niaises. De quoi je me suis trompé de rangée? Non, mais quand tu voulais rentrer tantôt, t'es allé. Ah oui, non, j'ai foiré mon chemin parce que je sais pas comment rentrer ici, ok? Je sais pas comment rentrer ici. Yo, il y a tellement de gens. Oh my god. Oh my god, c'est à nous? Oui. Oh my god, c'est à nous. Prizes, please. Thank you. We're two, what is it again? Oh, you're the Chick-fil-A. En place de dire two fries, je dis genre two fries.
Oh, ok, je pleure. J'espère qu'elle va avoir compris. La maman va nous dire genre, here's your two prices. J'espère qu'elle va avoir compris pareil. J'espère qu'elle a compris les deux prices en plus. Hein. Mais elle a dit que c'était combien de temps? Je peux comprendre. À suivre. Bon, fait que là, on va first tasting de genre les frites du Chick-fil-A. Les frices. Les frices. Ah, c'est bon! Mais je sais que ça approved. Serait encore meilleur avec la sauce. Approved? Ouais, j'approuve. Ah, oh, mais c'est bon! C'est approved. Ah, oh, c'est bon, bon! Merci. C'est approved? C'est toujours un jour malaisant. Bon, fait que là, deuxième arrêt, c'est le Chipotle. Mais là, faut aller au centre d'achat du Cape Cod. De Cape Cod. Je sais pas parler aujourd'hui. Pour aller get ça! Yes! Bon ben gros rip le Chipotle, ça sera pas pour aujourd'hui parce qu'on est arrivé devant pis il était temporairement fermé. Fait qu'on va être obligé de revenir un autre jour, mais c'est pas grave, là on s'en va où? Taco Bell. Yes! On peut-tu parler de tout ce qu'on a pris? Yeah. Ça a comme aucun rapport. Puis yeah. En dessous, il y a des affaires aussi, là. What the fuck? Ok, on va tout vous montrer ça rendu à la chambre parce oh que. Oh my god, ça va être. Avec le Chick-fil-A, on a. Yo, Chick-fil-A, c'est genre mukbang material, c'est fou, là. Yeah. Attends, Chick. Il y a de la shot, il y a de la shot. Oh my god, cool. T'as-tu vu tout ce qu'on a? C'est insane. Ça a pas rapport. Bon, ben bon appétit, Vince! Bon, fait que là, on a pris 1, 2, 3 tacos. Non, attends. 1, 2, 3 tacos aux beans. Mais ça, il y a un taco normal au bœuf. Ça, pis ça, c'est quoi déjà le nom? C'est genre des chalupas. Chalupas. Ça ressemble à un taco, mais c'est comme pas le même truc. Ma mère, elle a pris un genre de bol avec des beans, du riz pis des affaires de même. Ça, c'est ton. Attends, non. On a le quesadillas au fromage. Ça, c'est le. Quoi? Deluxe sandwich au Chick-fil-A. Puis on a une, deux, trois frites du Chipotle avec deux petites sauces. Oh my god, ok. Bon, fait que là, on vient tout juste de finir notre bouffe. Puis les reviews en fait que j'ai à faire, c'est first. C'est vraiment nice que le Taco Bell offre une option végé. Donc pour les tacos, j'ai vraiment trouvé ça bon. Mais comme j'ai dit à Vincent tout à l'heure, genre ça manquait de comme crème sûre ou genre guacamole, comme... les quesadillas au fromage pour vrai, vraiment bon. Puis un petit truc de même, si vous faites comme nous puis que vous allez au Chick-fil-A puis au Taco Bell, prenez les quesadillas au fromage avec la sauce Chick-fil-A. La sauce de Chick-fil-A est tellement bonne, c'est comme miel et moutarde avec... un petit goût genre fumé, c'est un peu barbecue. Bon. Ouais, c'est un peu barbecue, c'est tellement bon. Les frites du Chick-fil-A, honnêtement, je trouve qu'ils sont un peu ordinaires, mais avec la sauce, ça fait la job. Ok, guys, un événement se prépare. Parce que là, en ce moment, pourquoi je m'éclaire avec ma lumière de téléphone puis que je fais vraiment peur de même, c'est qu'il y a une panne à Cape Cod. Genre une grosse panne d'électricité. On sait pas à quelle heure ça va revenir. Puis on a plein de stock dans le frigo. Puis l'air clim fonctionne avec l'électricité. Fait que... Non, pour le moment, c'est correct. Là. C'est pas trop froid. Ouais, non, pour le moment, c'est correct. Bon, mais... on va essayer de voir... À suivre. Si...